Bonjour! Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Laure, j'habite en Allemagne, je suis professeure de chant, de français et d'allemand. J'ai fait des études de chant classique en France à Paris et en Autriche à Vienne. Cette approche du classique étant très rigide, j'ai eu des petits soucis de santé et suite à ça, j'ai un petit peu développé ma propre méthode. J'ai vu le chant d'une manière différente, donc j'ai réappris à chanter par le chant en conscient. Également, j'ai étudié le rôle de l'oreille dans l'apprentissage des langues et du chant, notamment grâce aux travaux du professeur Alfred Tomatis, dont vous pourrez trouver aussi quelques vidéos sur ma chaîne. Donc j'ai décidé de développer ma propre méthode basée donc sur mes recherches, sur mes connaissances et sur mon expérience en yoga et méditation de transformer tout ça en approche du bien-être par la voix, d'où le nom chant bien-être. Donc je présente des petites capsules vidéo depuis 3 ans maintenant à peu près sur cette chaîne où vous pourrez trouver des exercices ludiques et faciles à faire. Donc ils sont liés bien sûr au bien-être par la voix, par les vibrations, par les respirations. Et je propose également des ateliers en ligne d'1 heure et demie où on va justement approfondir tout ça et refaire circuler l'énergie par toutes ces petites choses qui sont très simples et pourtant pas toujours faciles à mettre en place au quotidien. Et le fait de le faire dans un atelier d'1 heure et demie, c'est beaucoup plus simple et on se sent toujours en super forme après, une fois qu'on a refait circuler l'énergie. Voilà, alors donc en parlant de respiration, le thème du jour c'est la respiration utilisée, donc c'est un exercice qui a été utilisé pardon, par le légendaire Carlo Broschi, plus connu sous le nom de Farinelli. Donc c'était l'un des derniers castrats au XVIIIe siècle et il avait vraiment une capacité respiratoire, mais vraiment hors norme, légendaire. Et donc l'exercice que je vais vous présenter, c'est celui qui l'a beaucoup aidé, c'est ce qu'il disait, hein, pour développer toute sa capacité respiratoire. La légende raconte même que, il arrivait à tenir des notes tellement longtemps que les femmes dans l'assemblée s'évanouissaient, tellement c'était beau. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de vous évanouir aujourd'hui pour l'exercice. Mais en tout cas, je vais vous le présenter parce que je le trouve très très pertinent et il apporte beaucoup beaucoup de bien-être. Alors, pour résumer, on va faire donc cet exercice se compose en 3 parties. La première partie sur l'inspire, la deuxième sur la pause ou l'apnée où on ne respire plus et la troisième où on expire. Et ça va être toujours le même nombre de temps. Donc on va compter, on va commencer 1, 2, 3, 4. Ensuite, donc, c'est-à-dire qu'on inspire sur 1, 2, 3, 4, on fait une pause, donc ça s'appelle l'apnée, 1, 2, 3, 4, pareil, et on expire sur 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on réenchaîne et on rajoute toujours 1 seconde. 1, 2, 3, 4, 5, une pause, 1, 2, 3, 4, 5, et on expire, 1, 2, 3, 4, 5. Et on monte comme ça, alors jusqu'à 10 ou 11, on peut maximum, ce qui était préconisé, jusqu'à 14. Bien évidemment, faites en fonction de votre capacité. Si vous arrivez juste 1, 2, 3, 4 et ensuite 1, 2, 3, 4, 5 et que c'est déjà un petit peu limite, ben c'est pas grave, vous restez sur ça et vous allez voir, vous allez rajouter au fur et à mesure. Alors, ce qui est très important également, c'est de le faire par la bouche. On n'inspire pas par le nez. D'accord? Donc, vous allez faire attention que vos épaules n'aient pas tendance à vouloir aller vers les oreilles, surtout de rester complètement détendu et vous allez sentir aussi qu'au niveau de votre gorge, ça va l'ouvrir. Donc vous allez voir, je vais vous montrer, on va entendre comme un petit son, ce qui est tout à fait normal. Donc vraiment pensez à vous détendre, à vous ouvrir comme si vous étiez un accordéon. Donc vraiment sur l'inspiration, vous sentez ça souffle, ça s'ouvre. Ensuite, paf, ça retombe et le fait de faire ça, donc vous allez à chaque fois remplir au maximum sur 4 temps.
expirez pareil sur 4 temps. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas, par exemple, si vous êtes à 6 secondes, vous n'allez pas inspirer sur 3 et ensuite attendre sur 6. Donc, il va falloir réguler. Donc, vous allez voir au fur et à mesure que vous allez augmenter, ben, forcément, votre inspiration va être de plus en plus lente et de plus en plus profonde. Ce qui va faire que ça va vraiment étirer vos muscles et augmenter votre capacité respiratoire. D'accord? Donc, vous allez voir au début, c'est peut-être un petit peu surprenant, mais au fur et à mesure, ça va vraiment... vraiment étendre, étirer et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, je vous le montre sur moi. Donc, je vais compter sur mes doigts pour vous montrer, pour avoir une petite idée d'à quoi ça ressemble. Donc, j'y vais. Voilà, donc je vous ai fait jusqu'à 6, donc bien évidemment, on monte 7, 8, 9, 10, on peut aller jusqu'à 11 et comme je vous dis, maximum 14 selon bien sûr votre capacité respiratoire. Voilà, donc ben, essayez de le faire tous les jours, vraiment, ça prend même pas 2 minutes. Donc pour les chanteurs, ben, ça va vous aider à augmenter encore plus votre capacité respiratoire et à tenir plus facilement les sons. Et pour les non-chanteurs, eh ben ça va vous aider quand même parce que c'est une respiration profonde, donc ça va encore masser tous vos organes et ça va vous redonner de l'énergie. Voilà, donc j'espère sincèrement que cette vidéo va vous aider. Et n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter pour ceux qui ne le sont pas encore, donc en bas, sous le lien, où vous pourrez avoir en cadeau de bienvenue 2 exercices pour apprendre à mieux respirer. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne pour la soutenir, donc avec la petite cloche en dessous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas bien évidemment à m'envoyer un email à mon adresse Gmail. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et n'hésitez pas à me faire des retours sous ma vidéo, ça me fera très très plaisir. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.